C'est mon héritier dans mon. Il a parlé dans l'ébissio, donc c'est comme s'il si ne veut pas de problèmes avec les gens. Il m'a même délégué, moi, le Binanganati Mokole. Un jour, tu retournes à Bino. Qu'est-ce que vous avez fait pour notre musique? Tout ça, la bien, biso mieux, sur ça, la biso bien. Je n'ai pas de problème avec Fabregas, je n'ai pas de problème avec. C'est beau, tu as l'impression qu'il y a un musicien bien normal. Pas tout en été. Quand tu as été, un musicien pinza. Bon, ok, bon, on a problème à musique. Yo, tu as tout, on a été, on a battu, on a gagné. Non. Ah, la musicien de. Pour savoir. Les héritiers, peut-être, ils se sentent frustrés parce que Fabregas, en termes de carrière solo, a mis mal les bossonnaï. Ça, il faut le dire. Fabregas a tiré hérité la maison mère pendant qu'il hérita ça a succès avant Fabregas aille dans la musique. Mais Fabregas a bandi carrière solo ça a succès il bosso et hérité. Mais chacun a son temps dans la... Voilà. Non, en vrai, Nalingi, vous laissez en la scène nanga. On va chanter. On va laisser en la scène nanga. Bon appétit alors. Aïe, mina, on t'aime pas mort. Bon appétit, bon appétit alors. On va laisser en la scène nanga. Aïe, maintenant, nous allons dire qu'on a 5, 8, 9. Voilà. Allez, te discuter. Kakaboya, la mouille, on a dit qu'on 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 a dit. Et on en l'oba toujours. Nier les évidences, ça, cela revient à être fou. Je t'ai dit que ce t-shirt ici est noir. Toi, tu viens me dire que non, c'est un t-shirt blanc. Vous êtes en train de nier les évidences. Nous avons des grands chanteurs et des bons chanteurs. Son baby, si nous avons un grand chanteur, ce n'est pas une insulte. Et ça, quoi, insulte, hérité n'a pas menti. Fabregas, yo, Fabregas c'est un grand chanteur. Au même titre que Banane. Nato Tikondo Loba. Voilà. Parce que non, mais, après mais qu'il a continué. Non, yo, Olo Bimisango, le rôle héritier Fingi Fabregas, il n'a pas insulté Fabregas. Mambo Banane héritier, ma voix c'est Bima, oh Fabregas, bah enregistré et pas dansé, Znaye. Akima la Porto Filo. Ma voix, soit dans la conversation avec Fabregas, il critiquait l'orchestre héritier pour dire que. Orchestre héritier, c'est un orchestre mukié. Mais bazo voyage, bazo zonga. Bino bosali Sony. On a Fabregas bazo ça danser znaé. Bino bosali Sony. Boké poto bokimi. Donc c'est à dire que comme a qualifié orchestre héritier d'un petit orchestre. Et yango on a fallu ayoka sonité. Aloba moi j'ai emmené l'autotune. Aïe bisa so clairement qu'il y a utilisé autotune. Autotune ça la ranine. C'est pas une fierté. Dire à la télévision comme ça, moi j'utilise l'autotune, c'est pas une fierté. C'était une erreur de sa part, mais pas vraiment une erreur parce qu'il a été sincère. Autotune et arrange à la voix. Il est plus technique dans la voix. On va technique vocale, Moussou Fally Abimisaka. C'est ça, ce qui fait la force de Fally Ipupa. La technicité vocale, voilà. Mais dire que Fally Ipupa c'est un grand chanteur, c'est faux. Parce que Fally reproduire Banze Mbonyo Abetaka na studio. Vous voyez, na studio ayembi Maria Piro ayembi Liputa hein chanteur exemple Moussou Souni a Fally voilà ayembi autre là. Maintenant, ma maman passe à la bêtement en live, parce que quand on est encore en train de se faire, c'est là où maintenant tu es vrai, bon, tu es grand. Bill Clinton n'a pas intégré ce projet. Bill Clinton il sera là comme invité. Vous voyez, Ariane est invité, sauf qu'il y a un matin à podium, ça sera aussi une bonne chose. Mais Aza invité au même titre que Batumissou Babengisi, parce qu'il y a des surprises. Vous voyez, il y a des surprises selon Bango. Dans le concert, il y aura des surprises. Mais Bill Clinton a intégré un concert à Beta. Parce que Bill Clinton a Beta la Wenge Tazalate. Une bonne chose pour que pas intégrer dimension et agression dans la carte de sa concert. Donc on doit lancer un message. Voilà, le monde entier doit savoir que le Congo est agressé. Vous voyez, à travers concert, on a c'est quelque chose au Yopé et Koki Kosa là que Batu Belé au Bazo. T'as la concert, on a la montre parce que vous allez la transmis en direct dans la chaîne Belé International et vous allez vraiment live partout dans internet et autres là et vous allez partout. Alors, ça c'est une occasion, Batu on a pas le rôle d'ambassadeur ya Congo. Bonjour à vous de partout, vous êtes en train de nous suivre ici Nakati Yadamas Télépé Univers Web Télévision parce que l'émission passera dans ces deux chaînes et de partout vous êtes, nous vous demandons de vous abonner dans nos chaînes, il y a l'actualité, il y a de belles analyses. Aujourd'hui encore nous recevons
Bédric Lukabwe, un communicologue si connu au Boyebi et Malam Malam. Tu connais encore l'actualité culturelle ici, dans la République démocratique du Congo. Tu as dit la grande dame, Maman Aimé Massimé, la dame autrement dit franc congolais. Gladi Mampoto, ciseaux d'or, na katia TKN, yebise langaye ata franc congolais pe na zwaka. Aujourd'hui, nous sommes là avec Bédric Lukabwe. Nous allons parler des actualités culturelles ici dans la République démocratique du Congo. Bédric Lukabwe, bonjour. Bonjour, Prince Land. La santé, ah ouais. Forme. Non, je suis toujours content quand tu me reçois parce que Nabi qui est abonné à Univers Web Télévision. Et abonné à Damas Télévision en même temps, ils vont bénéficier de belles analyses provenant de ces deux messieurs qui vont dire ah ouais, surtout dans la chaîne. Ok, voilà. L'homme, tant qu'à vivre, il ne cesse pas d'apprendre. Effectivement. Nous sommes là pour apporter un plus, Nebele Abatou au Balandarabiso. Effectivement. Attaquons l'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo et une situation qui inquiète tout Congolais. Azalanakata, RDC, Azala Libanda, Mboka, la situation nous inquiète un peu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Ah, mais c'est triste, c'est vraiment triste. Ma condition, un pays si riche comme la République démocratique du Congo, mais nous vivons dans la précarité. Dans la précarité parce que nous sommes victimes de nos propres richesses. Victime de notre bénédiction que Dieu nous a donnée. Cette bénédiction qui fait en sorte que pays voisin se constitue comme prédateur pour nuire la vie à Congolais en tout cas. Moutounions, Congolais, nous sommes soucieux, il y a un mot canaillé. Azolanda actualité, on a un Est vraiment à la lettre. M23, groupe armé créé, formé par le pays voisin, Rwanda. En tout cas, le Rwanda nie. Même s'il nie, il y a des évidences. Dans le Bango, toujours avec Michel Bélé, Prince Land, vous savez, il y a des évidences qu'on ne peut pas nier, comme le soutien du Rwanda au M23, qui ne sont rien d'autre que le Rwandais, en fait. Parce que, preuve en est, tout le monde a deux militaires Rwanda. Rwandais s'est retrouvé dans le sol il y a Congo Kangi Bango ceux qui Bango balobi non et ça Congolais Mutubazo ça la guerre dans le gouvernement congolais mais qu'est-ce que ces soldats rwandais sont venus faire ici en République démocratique du Congo un peu c'est triste parce que maintenant le bar toujours les Congolais doivent se réveiller la jeunesse congolaise doit se réveiller parce que c'est la jeunesse qui doit mettre fin à tout ça. Nos aînés, ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui sont à la tête du pays, ils ont échoué. Vous savez, ils ont vraiment échoué, lamentablement échoué. Et le sport du Congo, c'est la jeunesse. C'est le veille patriotique de la jeunesse congolaise qui peut changer tout. Vous savez. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment tu peux aborder cette question parce que de l'autre côté, RDC a accusé Rwanda. De l'autre côté encore, Rwanda accuse l'RDC de soutenir les groupes rebelles du FDLR. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie, vraiment. Quand le Rwanda dit que la RDC soutient le rebelle rwandais sur son sol, sur notre sol, pour attaquer le Rwanda, Yebisangaï, à quel moment Toyoka, FDLR, parce que ce sont les FDLR à qui ils font allusion, à quel moment Toyoka FDLR ça l'incursion dans Rwanda attaquer Rwanda attaquer village moko ya Rwanda Toyoka ngote Toyoka kaka FDLR wana oyo ba rebelle rwandais bazan la besoin pour renverser pouvoir na Rwanda mais ils font des abus ici ils font des exactions ici en République démocratique du Congo mais comment est-ce que bino boza ba rebelle rwandais bazan la besoin pour pouvoir na Rwanda mais exaction boza sala ngona RDC c'est de l'hypocrisie ça n'a pas de sens en fait toza bana mikete oyo ba koki koko sabiso le problème est que Paul Kagame le président rwandais aujourd'hui il garantit intérêt ya firme internationale ebélé. Il garantit l'intérêt occidentaux, misous et autres là qui veulent que nous, Congolais, restions dans cet état de précarité, restions dans la souffrance, guerre continue à l'Est pour nous bénéficier de la richesse d'Abisso. Aujourd'hui, tout le monde le comprend.
jeunesse à Congo, en tout cas, et la mouka. Toti ka distraction. C'est bien, nous aimons la culture, la musique, parce que chaîne Oyo thématique, nous à la musique, bien que nous parlons aussi de sujets sociétal, politiques, mais quand que la jeunesse congolaise prenne conscience des enjeux actuellement, parce que ce qui est insécurité dans l'Est, c'est le Congo qui est attaqué. Tu vois, j'étais en train de dire, la grande majorité, il y a. Il y a abonné à chaîne Oyo, ils sont orientés vers la culture, la musique, parce que ton message a relevé la musique. Mais quand il y a de l'insécurité dans Mboka, même musique, tu as relevé la montée. Les musiciens ont relevé ta concerté, l'activité est paralysée. Vous voyez, la sécurité et la substance Oyo vraiment. Et ça, la rend de sorte que l'activité Nyonso est à la malade de Mboka. Alors, dès que l'Est est pour nous attaquer, il faut que les matos aient conscience pour revendiquer le droit à l'abisso. En tout cas, que les politiciens congolais bâtissent la paix hypocrisie. Les politiciens congolais, ceux-là qui nous dirigent, ils doivent arrêter avec leur hypocrisie. Vous voyez ? S'ils veulent vraiment le bien du peuple, ils doivent faire des choses de manière à ce que Guerouane est ici. Ok, je ne sais pas comment. Au Sisanta qui bien au Zouaki Maloba ya Paul Kagame Kolobake venir combattre les FDLR dans le sol congolais. Mais ils sont déjà ici. Ils vont venir quand? Parce qu'ils sont déjà ici. Nous avons arrêté deux soldats rwandais. Quand il dit venir, il met ça au futur, pendant que nous savons tous qu'il y a des soldats rwandais non, en RDC. Paul Kagame a eu résolution, il y a qu'au passé la guerre, qu'au Bundesa FDLR. Hein? Na sol congolais. Je ne sais pas comment. Parce que guerre, lorsqu'on dit guerre, a déclenché niveau Moussous, il y a combat. Mon cher prince Landou, ce qui se passe à l'Est, si tu n'appelles pas ça guerre, tu vas appeler ça quoi? Il y a déjà la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, guerre provoquée par le Rwanda. Mais c'est le Rwanda agresse. Nos politiciens déjà. N'arrivent pas à. Nos politiciens, dire. Ils sont hypocrites. Ils doivent faire des choses de manière conséquente pour que guerre Rwanda. Et si là, ils ont peur de quoi? Un grand pays comme la République démocratique du Congo, ils ont peur de quoi? Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo a un poids sur le plan international et à combattre? Mais soit que la République démocratique du Congo a un poids, mais que nos politiciens fassent des choses de sorte que tous ont un poids. Gouverner, c'est prévoir. Si vous sentez que nous devons avoir le poids pour que tout combattre Rwanda, mais faites des choses de sorte que tous ont un poids pour tout combattre Bango. Ok, ouais. Maintenant nous entrons dans les actualités culturelles. Parce que tu parlais de l'insécurité, parce que lorsqu'il y a l'insécurité, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas moyen de battre, il n'y aura pas moyen d'envisager le futur. L'insécurité, c'est la sécurité, c'est la base de tout. Est-ce que vous pensez que ce qui est situation où il persistait comme ça, il y aura concert les 30 juin, il y a Wenge Muzika? Voilà, ça c'est aussi quelque chose sur lequel nous devons nous marteler, Prince Landou. Est-ce que, comment comprendre que parce qu'il faut être là pour savoir ce qui se passe. Il y a combien de familles qui ont laissé leur maison? Combien des enfants nous avons vu les images? On ne peut pas balancer ici dans YouTube parce que dans la règle de YouTube, côté Banamiki et autres, là, c'est en France. Il y a plus de 70 000 déplacés. Mais regardez comment est-ce que les enfants dorment à la belle étoile. Image dans mon lit, qui est 6 ans, mémi bébé, dans mon Congo. Ça, c'est horrible! Mais lorsque vous avez une image à Boina Congo, vous avez un stade de martyrs, une réunification, vous avez un concert, vous avez un CP là. Mais pendant que y a vos frères. Non, imagine-toi, na France par exemple, Kuna na Lyon, ou soit na Bretagne, je ne sais pas moi, Kuna na Alsace, na France, il y a guerre, bazo koufa, mais na Paris, bah concert réseau betama. Est-ce que tu peux imaginer ça? Mais bon, bango Kuna population, ne fût-ce que Moutou Moko, un Français, lorsqu'Azan est à Moko et malade, vous voyez que tout un pays est malade. Un mort seulement, na France, à Koufi, na ba condition Moko bizarre, suspect, le pays est paralysé. On en parle partout. Mais ici, on a banalisé le mort. On a banalisé la mort plutôt. Omoni, tu banalises l'insécurité. Nous, on a normalisé. Tout à l'heure, notre situation, les cas qui n'ont match à Real, finale, il y a Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, les Anglais, les Espagnols, ils ont porté France plainte. Effectivement. Parce que des choses. France a été un peu surpassée. C'est ce que je dis. Eux, ils mettent beaucoup d'accent sur la sécurité. Est-ce que tu connais aussi Bamakambouana aussi? C'est la conscience. Vous savez, la conscience, il faut que la jeunesse. On a le bangal, on a la vie, on a témoin, la vie, on a.
bah vieux on a déjà basu balan bah on va là bah dit pas bien bah on a bah nda quoi bien et autres là c'est la jeunesse qui souffre, ce sont les jeunes qui n'ont pas de travail, ce sont les jeunes qui n'arrivent pas à se marier. Ce sont des jeunes qui font du n'importe quoi pour avoir de l'argent. C'est la jeunesse qui est sacrifiée. Et cette jeunesse ici, au lieu de se tourner dans Marambo, ils ont détourné attention à Bango. Il faut pas s'occuper de la politique. Parce que c'est la politique qui dirige la nation. Mais Mamadou a dépensé déjà Mbongo et Belé pour la production. Non, mais moi je ne dis pas que le concert Wana, il faut les annuler. Mm. Mais moi je dis des choses. On regarde dans Marambo, les canaux Est et Wana. Parce que Balobi, Congo a le rôle à l'ensemble d'un corps. Vous voyez? Ce qui est beau, c'est souffrir, c'est bien. Ce qui est beau, c'est que souffrir, c'est bien. C'est comme ça. On ne peut pas abandonner nos frères et sœurs là-bas dans la souffrance pendant que nous nous festoyons ici, là-bas, concert. Ce n'est pas normal. C'est même le combat où il y a des poteaux, des combattants et autres, là, bien qu'ils ont abusé. À travers ça, ils ont tué notre culture. Hein, vous voyez, ils ont tué notre culture, mais en quelque sorte, ils ont eu raison de le faire. Comment est-ce que vous pouvez, vous, parce que musique, concert, ils allaient à un moment moro y a cinq ans, à un moment bas de bayo au CP là, quand tu es dans la joie, tu dois manifester ta joie en dansant, en chantant, tu manifestes ta joie. Mais dis-moi un peu, tu vas manifester ta joie pendant que il y a tes frères qui meurent. Imagine-toi yo neko na yo, frère na yo, oyobo koli na ye. Pas bobo tami papa moko maman moko nanda ku moko abozan la matin a kufi yo kobeta concert au CP là-bas au menon doki. Donc aujourd'hui leur combat est juste. Leur combat est justifié d'une part. Le combat ba combattant c'est justifié d'une part. Vous voyez? Mais na ba révélation to tout monde oyo à travers Laurent Sokoko, c'est aussi un sujet qu'on doit parler sur ça. Mamba Boketchu il y a un mécène, un homme d'affaires qui a soutenu ce combat non pas ça. Tu comprends que il y a un bénéfice pécuniaire. Et les autres là, ils avaient un bénéfice pécuniaire. Faisant croire que bazo combattre pour la mboka. Mais moi je dis, le vrai combat, c'est que la jeunesse congolaise, que tous les Congolais se tournent, braquent leur regard vers l'est de la République démocratique du Congo pour trouver une solution définitive. Ok. Voilà. Le problème du Congolais, c'est notre mentalité. Parce qu'aujourd'hui encore, on a Kolanda, un des combattants. À l'objet, ceux qui sont toujours beaux, il y a la musique et il y a poto parce que les musiciens congolais, lorsque il y a un poto, il y a engrosser nos filles pour nous Mukanda. Et aujourd'hui, tu as l'ingé en côté, aujourd'hui, il y a un peu de temps. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Mais bon, s'ils disent ça, les musiciens ont abusé, ce sont des revendications légitimes. Mais ils ont encouragé les musiciens. Ils ont Hein? Ah oui, prêt de faire n'importe quoi pour Nalibanga. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est partout. Ça, c'est vraiment partout. Ça, c'est pas même. Ils vont tuer leur culture parce qu'ils n'ont pas su éduquer à juste titre pour Nabakende et pas musicien. Parce que c'est pas que Moi, je vois mal une fille très bien éduquée par son papa, par sa maman. À Kende, pour ça la musicien mouba avance pour na APC Mukanda. Je vois mal. C'est à eux maintenant d'éduquer leurs enfants. Ils ne peuvent pas tuer toute la culture d'un pays parce que bah, musicien babibana banana bango. Non, c'est à eux de garder leurs enfants à la maison. C'est à eux de mettre une éducation suffisante à leurs enfants pour que banana bango balanda ba musicien. Mais ils ne peuvent pas tuer la musique du Congo parce que musicien tel a engrossé mon anaye, musicien tel a abusé mon anaye. Non. Ok, à parlant de toujours nakata dossier Oyo, à ce que Laurent Sokoko a ébaki koloba, est-ce que vous pensez que réellement ba concert est kozonga? Mais ba concert il faut ezonga na poto. Ba concert il faut ezonga na poto. Oui, moi je suis pour que ma concert raison à la poto parce que interdiction et ma concert va tourner voilà et ça là que musique n'abuso est à la faiblie. Vous voyez, musique n'abuso parce que poto tu es occident et ça vitrine pour na qui vitrine pour la musique n'abuso pour la culture n'abuso. À l'époque là bah oui Rabandobe taba Zénith bah Kofi Bobé taba Bercy et autres là, vous voyez tout le monde entier qui braquait sur la culture congolaise.
Mais pendant que interdit ça, ni wana, Nigeria, les Kabiso, ils voient rien et autre là. Moi, je suis pour que le conseil raison, mais je ne suis pas pour que musique Nabiso ait distraire jeunesse congolaise. Namambo, c'est important le rôle là. Question, il y a Paul Kagame qui a agressé Congo. Voyez, si nos musiciens ont la bonne foi, il y a un mot patriotique. Tout le monde n'a pas qu'à mouser là. Kabila, le père, quand il est venu, nous avons senti un essor patriotique. Vous voyez, l'agression rwandaise à l'époque, parce là, que tout Kabila, le monde était concentré. Parce que Kabila, le père, a eu le courage de dire que le Rwanda agresse la RDC. Effectivement, mais aujourd'hui aussi, je vois nos autorités lever tant. Nous avons vu notre ambassadeur lever tant vers le Rwanda et autres là. Mais Basalango, sincèrement, il y a une hypocrisie. Vous voyez, libérer des soldats wana bakangaki à la territoire congolais. Mais pourquoi bako libérer ba soldats wana? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Pourquoi vous allez les libérer comme ça? Mais il y a eu la présence de Lorenzo, président angolais. Il y a eu coup de fil, il y a Paul Kagame sur place. Mais moi, je m'en moque du président angolais, parce que ce ne sont pas des Angolais qui meurent, ce sont des Congolais qui meurent, ce ne sont pas des Rwandais qui meurent, ce sont des Congolais qui meurent. Vous voyez, notre président doit nous protéger. Vous voyez, quelqu'un qui agresse le Congo et on l'arrête ici, il doit être jugé ici et faire la prison ici. On ne peut pas le libérer comme ça par peur que Rwanda attaque Bissau. Le Rwanda, un petit pays, va nous attaquer, nous allons nous défendre. Tout le monde à Rwanda, ce n'est pas pour la première fois attaqué Bissau. Rwanda attaqué Bissau, a attaqué Bissau à l'époque, il y a Mouzé, Soukandengeni. Guerre Rwanda et Soukandengeni, ils nous ont agressés, Komatina Kinshasa. Vous voyez, Soukandengeni. C'est-à-dire qu'on a peur pour rien du tout. Le Congo, un grand pays, ne peut pas avoir peur du Rwanda. Il y a un dans la musique quelque part. Amadou Diaby, na concert na hier, il y a les 30 juin wana en tout cas. Il faut pas bouler belé. Il cherche d'abord la solution là-bas. Ce qui va obéir ta concert wana, écoute na. Et là, ta dimension patriotique, dans ma maison, le Canada Est, et qu'on a la bien, dans le cadre de soutien à FRDC, ou soit Mbongo, Bako Zouawana, et autres là, Bassa la cagnotte, pour soutenir, déplacer des guerres, et autres là. Et quand on a un registre, ça sera une bonne chose. Mais si ça sera un concert seulement pour na Batouba Melamasanga, ba festoyer, ba sepela pendant que Batouba Okoufa, là, ça devient quelque chose à condamner. Ok, là, ça devient quelque chose à condamner. Parlons maintenant aujourd'hui, toujours, il y a Bill Clinton aussi invité. Bill Clinton sera présent. Bill Clinton a continué un projet à Ouengue le 30 juin. Comment l'affaire avec En tout cas, pour concernant Bill Clinton, c'était les gens avaient souhaité que Bill Clinton soit là à seconder l'animateur au Bazawana, parce que l'animateur wana, on a senti une certaine faiblesse, parce que Bazal est sous l'énergie au Bazal est en mode Mutuzu, le rôle est Kokota, et Kokota ne peut pas tenir un concert de bout en bout parce que il n'a plus punch wana Zala Nango Kaluji, même man, ça fait longtemps que exerce Moussala wana. Ça fait vraiment longtemps que le concert va être sauté. Vous voyez? Ça va faire plus de 10 ans que le concert va être sauté. Maintenant, les appeler seulement comme ça. Événements, les événements, moi, on aurait souhaité que Bill Clinton soit là. Mais j'ai parlé avec Pierre Roger, au hasard communicateur dans le groupe Maison-Mère. Pierre Roger qui, ensemble, va assurer la communication dans Popol Mukelenge, Bazana. Puis Roger m'a confirmé que Bill Clinton n'a pas intégré ce projet. Bill Clinton il sera là comme invité. Vous voyez, alors il y a net invité. Sauf qu'il y a au matin à podium, ça sera aussi une bonne chose. Mais Aza invité au même titre que Batumisus Babengisi. Parce qu'il y a des surprises. Vous voyez, il y a des surprises selon Bango. Dans le concert, il y aura des surprises. Mais Bill Clinton a intégré dans le concert à Beta. Parce que Bill Clinton a Beta la Wenget Azalate. Vous voyez, Azalate, c'est un peu ça quoi. Kokota, Kalouj, Baroboka, Krina Bango, Baboka la Wenge. Donc, Bill Clinton, c'est pas communiqué officiel était que non, Bill Clinton. Non, c'est pas officiel. Bill Clinton n'a pas intégré, mais il sera invité. Ok, parlons aussi de l'affiche. Tout le monde y affiche, mon rebimé, ou affiche officielle. Il y a concert, il y a les 30 joueurs. Est-ce que c'est vrai que l'affiche est officielle? Oui, mais l'affiche est avant le 1er juin. C'était du fake. Mais l'affiche est bimaki le premier parce que campagne, il y a concert, communication, bandit le premier. Vous voyez, campagne de sensibilisation, vulgarisation, concert, on a ébandi le premier.
Bah affiche au Nyon Soya avant le premier, c'était du fake. Et ça là qui bat tout bango moko, Nyon Soya même informaticien, à ça là on est pas naïf. Mais affiche au Toro là qui s'habille nos sicoyo, c'est ça l'affiche officielle. Vous voyez cette affiche que les gens sont en train de voir, que nos abonnés, oh il faut équiper la zomona, oh Yannick Mbadou la zomona, en tout cas na Glody Mozu, et ça affiche officielle. Yango wana ebimi, et bandi le premier quoi accompagné bango ti le 30 juin. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui Canal Plus c'est ça na Kinshasa à cause de cet événement? Oui, nous avons vu pas seulement Canal Plus hein. En tout cas, beaucoup d'instances sont venues pour ces concerts parce que c'est un grand événement. Le jeu du monde entier a braqué sur cet événement-là. Canal Plus, le monde va signer un contrat à Robank, va signer un contrat à Bralima. En tout cas, ça sera un grand événement, une fête de la musique, une fête de la culture congolaise. Ça sera une bonne chose. Mais alors, aux autres, poser problème, mais Zarara, nos frères et sœurs sont en train de mourir. Est-ce qu'il faut festoyer pendant que nos frères et sœurs sont en train de mourir à l'est de la République? Où est le patriotisme? Où est l'amour du patrie? L'amour du prochain? Quand nous festoyons, quand nous festoyons pendant que nos frères sont en train de mourir. Concert Wana, pour nous à la réussite, comme le monde entier mis sous Nabango et vous allez braquer sur ces concerts, Canal Plus Solodé, Batebele, Baye. En tout cas, c'est une bonne chose pour que. Va intégrer dimension et agression dans la carte de sa conscience. Donc, on doit lancer un message. Voilà, le monde entier doit savoir que le Congo est agressé. Vous voyez, à travers concert, c'est quelque chose au EOP et qui est là que tu es belé au bazo. Tu as la conscience dans le monde parce que vous allez transmis en direct dans la chaîne et belé internationale. Et vous allez vraiment live partout. Dans internet et autres là et vous allez partout. Alors, ça, c'est une occasion. Tu as un rôle d'ambassadeur et à Congo. Voilà. Ils doivent se comporter vraiment en ambassadeur de la République démocratique du Congo. Pas avec Sabatouke, Congo est dans la souffrance. Nous sommes venus faire ces concerts pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Ok, chers abonnés de partout, vous êtes en train de nous suivre ici. C'est un grand événement qui attend Kinshasa le 30 juin, où le Wenge qui va livrer un concert ici dans le Stade de Martyr. Comme nous disons que ça sera une bonne chose que de lancer un message que le Congo est agressé par le Rwanda. Betu Klukaboué, parlons aussi maintenant de ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde est hérité Watanabe, la Pulga. Hérité Salisoui. Abimi a limé la mèche. Ok. A tangi ba grand chanté. Mais, nakata rotanga wana, a beau y fabricas. Alors, est-ce Fabregas que... n'est pas... Mais Hérité n'a pas menti, Fabregas n'est pas un grand chanteur. Il faut faire la différence entre un bon chanteur et un grand chanteur. Vous voyez, nous avons des grands chanteurs ici au Congo. Comme Ferrego, là, c'est un grand chanteur. Oh, ABC Moutou Moutou, mon retard au Boya. Vous savez, JB Pierre, là, c'est un grand chanteur. Hein? Nous avons des grands chanteurs et des bons chanteurs. Sans ABC Moutou, là, grand chanteur, ce n'est pas une insulte. Et ça, quoi, insulte. Hérité n'a pas menti. Fabregas, yo, Fabregas c'est un grand chanteur. Au même titre que Banane. Nazo Tikando Loba. Voilà. Parce que non, mais, après ce qui a continué. Non, Olobimisango, le rôle d'Hérité Fingi Fabregas, il n'a pas insulté Fabregas. Bon, dire okay. Que Fabregas c'est pas un grand chanteur, c'est pas un grand Fabregas, c'est un bon chanteur, oui, il chante bien, mais c'est pas un grand chanteur. Au même titre que Ferregola, au même titre que Serge Mabiala. Au même titre. Ferregola n'est pas un grand chanteur. Ferregola, c'est un grand chanteur. Je suis en train de le dire et je pèse mes mots. Ferregola, c'est un grand chanteur. Au même titre que le JB Mpiana, au même titre que le Papa Wemba, au même titre que le Evokolo, Evoloko plutôt, au même titre que. Zébélé, bah, grand chanteur. Mais nous tous les autres. Et puis, Zébélé, bah, comme il faut comprendre que Yona Serre n'a besoin de penchant Ming, il ne peut pas faire Ferregola. Non, mais moi, je dis ceci. Moi, j'ai dit ceci, qu'on fasse un sujet. Donc, lorsque vous abordez ce sujet, ce n'est pas question, il y a qu'on a fait rigolo. Et on en le bat toujours. Nier les évidences, cela revient à être fou. Je t'ai dit que ce t-shirt ici est noir. Toi, tu viens me dire que non, c'est un t-shirt blanc. Vous êtes en train de nier les évidences. Ferregola, c'est un grand chanteur. C'est pas avoir un penchant pour Ferregola. Tout le monde le sait. C'est pas un secret. Vous voyez? Dire que Papa Wemba était un grand chanteur,
c'est pas un secret. Pendant qu'on a tout nos mutumusus, maintenant on y a des gens qui parlent mambo au loba. Ben Piana, c'est un grand chanteur. C'est pas un secret. C'est pas de la mauvaise foi. Dire que Fabregas c'est pas un grand chanteur, mais un bon chanteur, c'est pas de la mauvaise foi. C'est dire la vérité. Non, on a tous nos artistes, mutumusus. Maintenant, moi, on dit d'abord réponse. Mais la réponse, on dit la question autour d'angai. Toi-même, tu es conscient aux autres la réponse. Voilà. Parce que quand tu me poses la question de savoir si Ferrego là est grand chanteur, tu as déjà la réponse. Toi, tu ne veux pas me dire le contraire. Ouais, non, Ferre, ce n'est pas un grand chanteur. Voilà, tu as la réponse. Innocent. Innocent Balouma n'a jamais été un grand chanteur. Même Yemo Peso tout nié. Oh, le Benjamin n'a pas un grand chanteur. Okay, c'est un grand artiste actuellement, oui. Il faut faire la différence entre être un, bon, un grand artiste et un grand chanteur. Nous avons des grands artistes dans ces pays, mais ils ne sont pas des grands chanteurs forcément. Voilà. Bon, là, on a ce qui est Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa n'est pas un grand chanteur. Fally Ipupa n'est pas un grand chanteur. Fally, c'est un bon chanteur, il chante bien. Fally n'est pas. Yepsanga est vraiment Fally. Ote Papa Wemba. Ote Voloko. Ote Ferrego, la Jibem Piana. Tu vas mettre Fally là-bas. Et puis, il y a un bobo, il y a Fally. Fally, c'est un grand artiste. Vous voyez, Fally, c'est un grand artiste actuellement. Aza parmi. Bah, ça autant 2, 3 ici, autant a Fally Ipupa. C'est un grand artiste de la génération. Aza Likolo na Mambwebele, ça il faut le dire. Ça il faut pas le nier en tout cas. Fally, il a hissé très haut la culture de la République démocratique du Congo. Mais Fally, à quoi dans le studio Aye Minzembo, Neti Maria Piron, je ne sais pas moi, Liputa, Aye Minzembo. Toyo Kango qui toko, to bini. Fally, dans la technicité, na volonté. Fally, il est caractérisé par la technicité dans. Dans sa voix. Il est plus technique dans la voix. Une technique vocale, M. Fally Bimisaka. C'est ça, ce qui fait la force de Fally Ipupa. La technicité vocale, voilà. Mais dire que Fally Ipupa, c'est un grand chanteur, c'est faux. Parce que Fally reproduire Banzemboni Abetara dans un studio. Vous voyez, na studio ayembi Maria Piro, ayembi Liputa. Un chardon, exemple, M. Souni a Fally, voilà. Ayembi autre là. Maintenant, ma passe est à la live. Mais on a live, c'est là où maintenant tu es vrai, bon, tu es grand. Parce qu'un grand, il va reproduire à la lettre de la même manière à Beta qui est dans le studio, à Beta qui est dans la live. Mais Fally, tu as là-bas concert. C'est vrai, c'est un artiste, ça va bien, ça va faire un concert. Mais nous ne sentons pas la même chose entre studio et concert. Peut-être qu'il y a un micro, peut-être. Non, mais il y a un moment là, Fally, à Yoka Sonité, à l'Oba, moi j'ai emmené l'autotune. Il dit clairement qu'il y a utilisé l'autotune. Autotune, ça, la ranine. C'est pas une fierté. Dire à la télévision comme ça, moi j'utilise l'autotune, c'est pas une fierté. C'était une erreur de sa part, mais. Pas vraiment une erreur parce qu'il a été sincère. Autotune est arrangé à la voix. Mon autotune, c'est un logiciel informatique pour arranger ta voix. Même Yondo Zaburoye dans le studio. Voilà, Bimisi Mungongo Sindi. Parce que autotune est sali Moussa Lango. Bah, tu peux pas yoki, bah, bar et betti. Donc, voix ou anez à la véritable voix à Fally. Mais comparer les concerts, Prince Landou. T'as la concert à Fally, t'as la Fally na. Na studio ou soit Toyo Kinze Mbonaye et autres, là tu verras la différence. Fally, mais il a dit lui-même que je ne prête pas le mot à Fally Ipupa. Il a dit ça clairement que moi j'utilise l'autotune. Nam na memiango awa. Fally Ipupa, nous voilà. T'attendons à stade de martyr au reproduire Ndenge Bédric Lukabo. Osan a besoin d'attendre un stade de martyr. T'es habité d'abord concert et belé. Alors, concert, vas-y revoir ces concerts là. Au moins l'accueil. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. L'élément chose vous a la prise en compte pour. Non, tout ça c'était juste pour te dire que Fally Ipupa c'est un bon chanteur. Mais parmi tous classés bah, grand chanteur, Fally Ipupa n'est pas là. Mais Fally Ipupa au contraire c'est un grand artiste. Oh bah grand chanteur à Mokoyo, bah faire face n'a été. Il y a la dimension artistique. Vous voyez, et la dimension chanson. Vous voyez, Fally Ipupa chanter. Koye Mama Kasi, cela ne fait pas de toi forcément un grand artiste. Être un artiste, c'est la combinaison de beaucoup de choses. Le charisme d'abord, bien s'habiller parce que, voilà, Fally Ipupa, featuring, c'est en quelque sorte Maison Electra à Lingaka.
produit ou azo produire permettez-moi de tutologie wana et qui est bien yango wana ba feature wana mon arabe Youssoufa tous ces gens là malheureusement l'album né à dernier album oyo produit par Maison Electra et connaître vraiment succès était malgré ma présence à ba featuring wana parce que Fally Asali featuring na Youssoufa Youssoufa un grand artiste mais nzembo wana ba te belé ba yo bien moté. C'est quoi les problèmes en fait? Éviter sous un problème à promotion ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement mais l'album il a fallu wana moi personnellement na yoka ba nzembo wana ce sont des très belles chansons mais et connaître succès té album wana c'est ça a frôlé l'échec en fait au mona yango wana toro senga peut-être Fally Ipupa à revoir atala asala vraiment analyse introspectif atala bablo oni ne simbité pour na arranger. OK, là c'est pour Fally Ipupa. Toujours un homme mba hérité na Fabregas. Qu'est-ce que se passe réellement? Mais, on dirait tout sentir il y a l'effet entre hérité na Fabregas. Mais il faut le savoir, ça c'est pas quelque chose à cacher. Fabregas n'est hérité depuis un certain moment, depuis un certain temps, ils sont en froid. Ils se lancent des piques, il y a un problème sérieux entre ces deux musiciens. Mambwe banda héritier ba voice bima oyo Fabregas ba enregistré pas danseuse naye akima la portofilo na voice wana la conversation na bango Fabregas il critiquait orchestre héritier pour dire que orchestre héritier est orchestre mukier mais bazo voyager bazo zonga bino bosali Sony wana Fabregas azo sa danseuse naye bino bosali Sony boke porto bokimi donc c'est à dire que comme a qualifia orchestre héritier d'un petit orchestre et froissant et ça là de sorte que hérité Watana base à la frustrer et frustré hérité c'est normal. Fabregas ne pouvait pas faire ça. Fabregas ne pouvait pas qualifier l'orchestre d'héritier d'un petit orchestre. Vous voyez, il y a moi là héritier P à son tour a commencé à lancer des pics et guerre à bas pics et bon moi et Botama plutôt dernièrement ici nous avons vu cette vidéo où héritier Azo Tang Aba grand chanteur, bon chanteur à lobby, Fabregas il ne fait pas le poids. À cette époque, quand lui il est sorti, il chantait aux côtés de Bendoson, Pompon Mian qui atteigne un grand chanteur. À cette époque-là, il a dit Fabregas, il était bébé, non mais il s'est biberon. Vous voyez? Ouais, na maramba musique, na maramba ndoule. Effectivement. Mais à cette époque-là, l'air papa Wemba, Bendo, Bazo Wemba, il y a Fabregas. Non. Tu l'avais pas connu. Héritier n'a pas tort de dire ça. Mais pourquoi le dire à la télévision? Si réellement Fabregas à cette époque-là n'était pas connu, parce que Zalaki n'a nous tant à donc ça fait sentir qu'il y a l'effet entre les deux artistes. Il y a déjà un problème. Il y a un problème. Bazo wele la nanya l'équipe Muninga. Vous voyez? Il y a quelque chose. Héritier peut-être il se sent frustré parce que Fabregas en termes de carrière solo abima liboso nae. Ça il faut le dire. Fabregas a tiré hérité la maison mère pendant que hérité ça a succès avant Fabregas aille dans la musique. Mais Fabregas a bandi carrière solo ça a succès liboso et hérité. Mais chacun a son temps dans la voilà, chacun a son temps mais hérité déjà comme moi, j'ai été connu dans la musique avant toi. Mais toi tu ne peux pas prétendre être grand devant moi parce que ça a carrière solo liboso nangai, au sali carrière solo, sali succès liboso nangai. Mais tout ça pour moi, ce sont des distractions. Vous voyez, ils ne peuvent pas tomber dans ce piège-là. Moi, je dis à un musicien comme Fabregas, un bon musicien, bien qu'il n'est pas un grand chanteur, mais c'est un artiste. Fabregas, ça sera un succès. Fabregas, il a des opus, il a des tubes. Vous voyez, Bande Monnaie, Maman Afrique Mobimba. Fabregas, en termes orchestre comme ça, il avait un orchestre bien structuré. Vous voyez, Fabregas en tout cas a bien avancé bien. Mais depuis que Fabregas a compté la polémique à bas étage, carrière Nessalandetti et s'est penché vers le bas. Vous voyez, Fabregas en tout cas, son royaume Kangaï a se concentré sur la musique. A bête la bise au Banzembo Kitoko. A bimisa balbom, a bimisa Banzembo Kitoko. Qui laisse un peu ma polémique. Depuis que Fabregas a compté la polémique, il a bien affilé, le musicien et autre là, en tout cas, il réussit ça a été. Héritier Watanabe aussi, qui ne tombe pas dans ce piège-là. Mi-ange, mi-démon, un succès fou.
musique est passionnée. L'album est aussi mbali sous soute. L'album est un musicien est aussi mbali sous soute. Mais un artiste comme héritier a été mis en jumeau de moi, Kangikin. Et moi, j'ai une moto, j'ai un taxi, j'ai un bêta, j'ai un bar partout, j'ai un venu. C'est pas facile. Et ça a réalisé ce on a vu ça avec Héritier Watanabe. Mais en disant un peu clairement par rapport à propos, il y a Héritier Watanabe, c'est vrai, Fabregas n'est pas un grand. C'est une vérité, mais c'est pas une vérité à le dire comme ça pour nous léser Mouninga. Mais c'est une vérité. Héritier Watanabe a fait face aux grands musiciens. Héritier Watanabe a eu mal à faire rigolo, la nostalgie. Oui, bien c'est moi, la nostalgie. L'air balayé dans la maison, mère. Mais nous avons vu. Fait rigolo à l'époque, c'était fait rigolo. Wilson adorait. Wilson adorait fait rigolo. Bon, disons aussi vrai mais que. Héritier, Yembi, si on a fait rigolo, pour sentir qu'il fait Yembi, Héritier, pas Yembi. Disons aussi vrai dans que. Héritier, c'est un grand. Ok. Disons aussi vrai que. Orchestre Héritier, fait ça, Moukier devant Fabregas. Orchestre Héritier, devant Fabregas, c'est ça, Moukier. Pour le moment, en tout cas, allégation est discutable. À l'époque, oui. À l'époque, Fabregas avait un orchestre, tout le monde avait un vibrator, tout le monde avait 10 matchs, tout le monde avait un affilé. Prévenez, le musicien Fabregas a mis ça la succès. Héritier a mis ça musicien. En termes d'orchestre, en tout cas, ça c'est aussi une vérité. Or, Fabregas avait ton conjugant dans le passé parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, Fabregas a quel musicien d'orchestre vous voyez? Mais. À l'époque, il faut dire que Fabregas avait un orchestre très solide. Mais actuellement, cette allégation est discutable. Parce que tout le monde a un orchestre héritier des Ali. On voyageait partout, on kimatait. Mais aujourd'hui, ils sont à l'aise. Aujourd'hui, Fabregas a dans Patrick Beckham. Patrick Beckham a Longwa déjà. Abimi Saye à Longwa. À Longwa, mais. Fabregas, à mon avis, que Patrick Beckham a coquille, il peut faire sa carrière solo. A dit qu'il y a Kende. Fabregas, en tout cas. Ok, voilà. Aujourd'hui, Fabregas, Azan a bien affilé. Bah, musicien, oh, il y a bien ici, oui. Ok. Aujourd'hui, Fabregas, Azan a vibrator en piano. Tout le monde a un peu de non, mais Héritier, il y a bien ici, musicien, non, quel est ce musicien d'héritier ou Abimi? Moi je ne dis que la vérité. Mais il faut reconnaître aussi la force de Fabregas. Il faut qu'on reconnaître la force de Fabregas et sa bonne volonté, sa bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, même un grand musicien, Et l'autre côté, Fabregas c'est quelqu'un félicité dans la musique congolaise. Okay. Et l'autre côté, il a la sous-souté. Où est tout le monde qui n'a pas Wilson. Fabregas c'est un mouton à copier à la lettre l'idéologie Wilson. C'est-à-dire, il donne la chance aux autres de se propulser. Ok, Glody Mose, il faut aller à Fabregas qu'il doit se concentrer dans la carrière. Il faut aller à qui il est. Il n'est pas n'importe qui. Bien que ce n'est pas un grand chanteur, un bon chanteur, un héritier lobby, mais il n'est pas n'importe qui. Il a donné la chance aux autres de sortir. Abimi ça, musicien. Former et faire propulser. Voilà, ce n'est pas facile. Fali, ça l'a monté. Est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui Fabregas formateur? Oui. Formateur, c'est pas seulement. Musicien, il y a un bateau. Il y a l'accès de Ré, Mi, Fa. Non, c'est pas ça. Bon, c'est le problème qu'il y a formateur. Moi, je dis toujours que. Moutabota Mana Mungongonaï. La voix, c'est le Seigneur qui donne à tout un chacun. Il y a combien de personnes à la Congo? Bah la voix, bah y'a boyemba, mais bah bimate. Y'a bi combien de musiciens bah bimate? A beti pinda boyo. Ah, y'a aucunité. Bah mais surtout tu as ta chance à ouvrir ta tête. Bon, on compte à studio ta tête, mais sur tel boyemba, un bon chanteur, un grand chanteur. Bah bimate pourquoi? Bah zanga, muto ya simba, bah on a dit beaucoup. Abimi si bango. Même bah toi, bah mais surtout bah bon chanteur, bah simba, bah on a dit beaucoup. Bah koko obimate. C'est pas facile à obimi sa muto. Il faut reconnaître. Place où est son, et lui est ça la grandeur Yahweh, voilà. Et lui est ça la force Yahweh. C'est ça. C'est-à-dire que formateur, c'est dans beaucoup de. Et là, bah, voler belé. Comment transmettre ton charisme aux autres? Comment est-ce que vous apprendrez dans ma musicien, dans la leader?
Il y a charismatique, il y a un esprit qui est leader. C'est ça être formateur. C'est ça que Fabregas a réussi. Fabregas a réussi à faire ça. Oui, Ranson avait réussi à faire ça. Frère Gola, en partie, il a réussi avec le Nicodème, avec le Chiquito. En tout cas, Frère a des musiciens auto-yébi. On peut passer à la succès. Mais aujourd'hui, Porté disparu. Porté disparu parce que les rappeurs vont former, mais ils vont me faire ça. Vous voyez, moi je ne peux pas te former, na continuer à former aussi na souka. Mais si toi-même tu n'as pas su qu'on saisir l'opportunité, voilà. Parce que ben musicien, oh y a des magasins, oh y a des bars où saisir l'opportunité. Mais au moins, à travers Ferrego là, Toyoka musicien Chiquito a ça le succès, Toyoka musicien Nicodème a ça le succès, Toyoka ben musicien Rebo a ça dernier produit Ferrego là, bimisa bimina label y a Ferrego là, vous voyez. Les lorés boivent binissi mukili. Oya innocent. Oya innocent. Voyez, les lorés boivent binissi mukili. Pourquoi? Parce que il y a eu quelqu'un qui l'a managé au nom de Ferrego là. Voyez, c'est ça être un grand, être un leader. Quand tu sais partager ta gloire avec les autres. Actuellement, la mauvaise foi côté là-bas leader ou là-bas musicien, sous ma musicien t'es. On comprend faire Ferrego là, Fabregas parce que bah vous pas. Avant, non, musique échange la configuration. Avant c'était. Concert et d'obé tabacomi, oué rançon et wenge musique à maison mère en concert. Jibem piana et wenge BCBG en concert. Mais actuellement, le concert est bête, on a affiche. Il a fallu tout le monde affiche, ma womini. Fali pour pas au stade des martyrs. Ferrego la, Zénith, Sokini. Pour dire que. Kofiolo midi, grand hôtel. Et au cas sous quartier la terre. Pourquoi? Parce que. Bon, on a évité parce que bah connaîtra bah trahison belle à travers la musicien là bah bimisa kayango bah comment muter mama bebongo, ça je ne comprends pas, je ne sais pas, mais Fabregas c'est quelqu'un à féliciter. Ok, voilà. Un grand merci à Teddy Ntimba, un grand merci à grand Gérard Joël Kamwinga Balandi Minene, il y a sur des chaînes Univers Web et aussi Damas Télé. Betrick Lukaboy, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin, Narizanini. Ah, mot de la fin, on va remercier Kaka. Batonyo so Balandi Biso, basu tant la bango vraiment Yolanda Biso. En tout cas, à Londres, je pense toujours, encore et toujours à Maman Joujou Makela, la charité dans le sang, ONG Afro-Congo, toujours. Je pense à Tété Thérèse, à Maman la Vanessa. Et je pense aussi à Maître Nelson Mwanza Toussaint Mavakala, les grands pétroliers, la Luanda. Et je pense à tout le monde, Oyo Balandi Biso. En tout cas, abonnez-vous massivement sur Univers Web Télévision, sur Damas TV également. En tout cas, ça c'est pour votre plaisir, pour votre bien. Je vous demande de vous abonner, de partager en masse cette émission pour le bien de tous. Voilà. Ok, nous étions heureux d'être avec vous dans ce nouveau numéro une fois de plus. Nos salutations à Shadrack Moulumba qui était derrière la caméra pour nous rejoindre sur Lilingi Nandenge Yakitoko. Un grand merci à Glody Mozo, sans oublier Johnico, la mama artiste. Kimbuta Nagata Moz. Je fais ce que vous avez dit. Ciao et à la prochaine.